Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc du coup on va parler coloriage. Je me suis racheté un petit livre, je vais vous le présenter tout de suite après. Avant toute chose, on avait mis en route le 29 octobre un concours. Donc il y avait un livre avec de chez Action, avec un petit loup en illustration et un coffret des 30 gel pens, toujours de chez Action. Et d'ailleurs j'arrive plus le trouver celui-là parce qu'en ce moment ils sont tout le temps en rupture. Donc comme d'habitude, à la fin de la vidéo, la gagnante, tu peux me contacter via Facebook ou sur Instagram, dans mes messages privés. Voilà. Je voulais aussi remercier Angéline, donc de la chaîne Les Coloriages d'Ange. Je ne sais pas si vous connaissez, ou sinon allez faire un petit tour. Elle m'a envoyé cette semaine donc le carré best-of. J'arrivais pas à le trouver parce qu'il est gratuit, mais à condition d'acheter un autre. Et ben moi, j'ai pas énormément de grands magasins dans le coin, donc il est franchement top. Je vais essayer de faire un colo cette semaine et de te l'envoyer parce que ben, cette semaine-là, j'ai vraiment pas eu le temps. Voilà, et bon, tu m'as envoyé deux, trois petits trucs, ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. Après, je voulais aussi remercier Suite Lovely Scrap de l'atelier Scrapbooking sur Facebook. Donc franchement, c'est un super groupe. Si vous aimez le scrap, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc elle m'a envoyé, alors on s'était envoyé mutuellement un défi sur un tag. Alors ben, je sais pas si vous reconnaissez la petite boîte de Myriam qui est super jolie. Donc j'ai mis mes ATC dedans. Et elle m'a envoyé un magnifique tag. Donc enfin, il est super joli. Moi à côté, c'était vraiment. Elle a dû rigoler. Mais bon, voilà. Après, c'est que mes débuts. Donc elle m'a envoyé ce livre-là que j'avais pas. Et en fait, ça a dû être une transmission de pensée parce que j'arrête pas de fouiller sur Amazon. Je voulais vraiment un livre à spirale. Et ben, celui-là, c'était. Voilà, c'est dans mes cordes. Bon, il n'y était pas sur Amazon, celui-là. Mais vraiment, c'est les dessins que je colorie volontiers, que j'adore. Donc merci beaucoup les filles et je voulais remercier aussi tous les autres copines avec qui on a réussi à échanger pas mal de choses, donc grâce à YouTube et sur Facebook ou Instagram. Voilà. Donc j'ai acheté ce livre-là cette semaine, je l'ai commandé cette semaine et j'ai vu sur Insta en fait ben, les premiers jours il était à 3 euros et quelques, mais moi je l'ai acheté à 6 euros 32, un truc comme ça. Bon, apparemment, les premiers jours, quand Jet Summer ils sortent les livres le premier jour, il est à moitié prix. Donc, bon, ben, je saurai pour la prochaine fois, je vais guetter toutes les sorties de Jet Summer, comme ça, ben, je les achèterai tout de suite à moitié prix. Alors, ben, comme d'habitude, moi j'adore. Franchement, bon, après, c'est à nous de mettre les faits, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucun ombrage, aucune ombre. Où on peut se baser dessus, c'est vraiment à nous de mettre les faits dans les colos. Mais moi, franchement, c'est des dessins que j'apprécie beaucoup. Et vous savez que j'aime pas faire les fonds. Et là, il n'y a pas beaucoup de fonds à faire. Donc, pour moi, c'est super. Voilà. Alors, après, il y avait le livre aussi, The Dreams Collection de Thomas Kikeh. Je vous l'avais présenté la semaine dernière, mais pas complètement, parce que ben, comme j'avais fait le concours de Bruno Art Gallery, je ne pouvais pas présenter mon colo. Voilà, donc c'était celui-là. J'ai eu pas mal de votes. Pourtant, je vous avoue que c'est la première fois que j'utilisais les Neocolor 2. Ben, j'ai pas. Voilà, alors je vais vous montrer de plus près. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ben, je ne suis pas assez patiente pour les stylos comme ça, enfin pour les crayons aquarelles. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis plutôt Prismacolor. Hein. C'est vraiment les Prismas. J'appuie comme une bœuf dessus. C'est pas grave. C'est mon style de dessin. Voilà, c'est mes colos à moi. Mais là, les Neocolor 2, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour les gens patients. Qui ont de la patience, qui aiment bien. Voilà. Moi, j'ai pas de patience. Moi, il faut que ça soit tout tac, tac, tac. Et voilà. Bon, après, c'est un point de vue, je sais pas. Alors, par contre, j'ai adoré colorier là-dessus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le top. D'ailleurs, pour le concours, c'est le livre que je vais vous faire gagner. Pas le mien, hein. Le mien, je le garde. Ça sera un œuf pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à participer parce que franchement, c'est un super livre. Et en plus, comme moi, ceux qui arrivent pas beaucoup colorier, qui savent pas trop mettre les effets, il y a vraiment un modèle à côté. Après, vous n'êtes pas obligé de reprendre les couleurs là, hein, vous pouvez reprendre des autres couleurs. Moi, j'ai repris les couleurs là parce que c'était la première fois que j'utilisais les néocolores, donc je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et après, bon, là par exemple, je vais refaire le. Non, celle-là peut-être pas, mais j'ai vu 2-3 dessins. Non, ceux-là aussi, les couleurs sont top. Mais il y a 2-3 dessins où je vais refaire carrément des autres couleurs, quoi, hein. Bah, par exemple, là, Alice au Pays des Merveilles, on peut faire des autres couleurs.
Donc pour les conditions du concours, c'est comme d'habitude, avec je participe, avec un petit mot à côté dans les commentaires, être majeur ou alors avoir une autorisation parentale. Et voilà, bonne chance à tous. Après, donc le concours se fera, je pense, alors là on est le 13, dans 2 semaines. Donc dimanche, dans 2 semaines, je ferai le concours. Voilà. Alors après, je vais juste vous parler pour ceux qui me suivent le mercredi pour les ateliers scrapbooking. Donc là, je vais faire un tuto. Ah oui, non, j'allais oublier. Donc là, je vous referai une vidéo tout de suite après pour vous présenter le livre de Sarah Musio des éditions White Star. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé de le présenter vraiment page par page. C'est un livre, il est super beau et c'est vrai qu'on ne le présente pas souvent. Donc je vous ferai une vidéo juste après, juste pour présenter le livre. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qui était coloriage. Maintenant, pour mercredi, pour le tuto scrapbooking, vous savez que je vais faire un planeur. Donc j'ai bien reçu les planeurs de la Fourmi Créative. Franchement, c'est un super site parce qu'ils me les ont envoyés en 2 jours. J'avais tout. J'ai acheté de l'autre matériel aussi. Bon, par contre, je les avais eu à 50%. Donc j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un peu parce que de toute façon on va l'embellir et avec les embellissements on va cacher la date de 2017 et ben, les jours au-dessus, enfin on trouvera toujours une solution. Après, ce qu'il y a, c'est que ben, j'en ai commandé 2 et je pensais pas que ça se présentait comme ça. Parce que là c'est un peu style agenda et je pensais vraiment pas que ça se présentait comme ça. Et moi du coup, ben, j'en ai racheté, enfin je m'en étais acheté un mois perso sur le kiosque à idées, donc j'avais pris celui-là. Alors c'est aussi un peu, bon c'est un agenda, mais c'est aussi un peu le même style. Alors du coup, ben, moi je vais garder celui-là, je vais le customiser aussi et je vais vous faire gagner les 2 là. Par contre j'en customiserai un sur le tuto de mercredi, donc il y en aura un qui sera quelques pages hein, customisé et l'autre qui sera vierge. Alors vous choisirez celui que vous voulez et puis ben, j'espère que vous aurez la chance d'en gagner au moins un. Voilà. Après, bah, pareil, je vous avais acheté c'est un agenda en fait, hein, parce que je me suis bien renseignée sur les tutos YouTube, j'ai bien regardé, donc c'est des agendas qui vendent chez Action. Alors, ben, je le mettrai quand même en concours, mais peut-être plus tard, parce que comme je vous ai dit, je voulais faire une vidéo par jour au mois de décembre, donc je les remettrai au mois de décembre avec les customisations qui vont ensemble. Voilà, et j'ai encore craqué, en fait, enfin non, j'ai pas craqué. Ce qui s'est passé, c'est que Dalbé ferme ses portes pour travaux, et du coup, il faisait une liquidation totale. Alors, avec minimum moins 20%, ça pouvait aller jusqu'à 50%. Donc, voilà, ça, je vous l'ai présenté mercredi, j'ai acheté un bon petit sac. Et bah après, il y avait un Zeman juste à côté. Donc, j'étais à Zeman et en fait, j'ai eu la surprise de trouver les mêmes choses que chez Dalbé, mais encore moins cher. Enfin, je vous expliquerai tout ça mercredi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer au concours. Il y en a encore 2 autres qui sont en route. Surtout, n'hésitez pas à revenir mercredi sur la chaîne pour voir le tuto planeur. Voilà, on se retrouve tout de suite après pour la vidéo du livre de Sarah Musio. Et sinon, on se retrouve mercredi.